Tout simplement parce que c'est un des éléments clés essentiels de la déclinaison de l'ambition managériale Covéa qui a été définie dans le cadre d'un plan stratégique en 2019. Et donc la direction générale des coopérations humaines voulait insuffler dans l'entreprise une culture commune managériale pour porter à la fois les enjeux business de nos marques, mais également toutes les transformations du groupe. Alors, Sego Yeseg nous ont accompagnés dans un partenariat, triple partenariat, dont l'objectif était de construire un dispositif complètement sur mesure, en phase avec les postures attendues, entre autres, bien sûr, porter la stratégie, décider dans un monde incertain, piloter la performance, anticiper les évolutions des compétences et des métiers, développer la posture de manager-coach, développer la délégation, le travail collaboratif au sein des équipes et également prendre de la hauteur de vue. Alors, le contenu du dispositif, c'est d'abord un lancement qui a donné lieu ensuite à un autodiagnostic fait par chaque manager pour l'aider à choisir parmi les 8 sprints qui lui étaient proposés. Ensuite, il avait des ressources en amont, des ressources en aval de son sprint et un retour d'expérience 2 mois après la formation. Et tout ce dispositif s'est conclu au bout de 2 ans, puisque ça a démarré en 2020. Ça s'est conclu en 2022 par une clôture. Le principal bénéfice pour Covéa, c'est les bases d'une culture managériale commune. En particulier, tout ce qui tourne autour de la coopération, l'adaptabilité, la vision stratégique, la posture du manager-coach aussi. Pour les participants, ça a permis également de se mixer et de créer du réseautage, ce qui était très important pour eux. Ça a été aussi un moment de respiration, si ce n'est même d'inspiration pour certains. Et puis, ça a permis leur implication dans le domaine du management, ainsi que l'implication de leur directeur dans ce domaine. Alors, ils étaient de 3 types. Pour moi, le plus important, c'était l'engagement et l'adaptabilité et la réactivité. L'engagement de tous les membres de l'équipe projet parce qu'il nous a fallu justement ajuster en permanence les contenus au retour de nos participants et aux contraintes pédagogiques.